Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Fine notre vivre là où vous vous tenez. De manière mauvaise. Si ce n'est pas Dieu. On m'a donné notre téléphone. Serait-ce que vous ne pouviez pas vous tenir là-bas? Je sais que vos désirs ne sont pas encore accomplis. Mais la vie vaut plus que tout. La vie a plus de valeur plus que tout. J'aurais beaucoup aimé que vous ovationniez Dieu pour votre propre vie. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Si me le ate, ye ma we, ma tu, o kareji. Si me le ate, ye ma we. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il nous plaît. À cause du temps, nous allons faire nos lectures en éveil. Parce que le temps nous talonne déjà. Deutéronome. Chapitre 28. Verset 1 à 13. C'est le cas que nous avons le mot, c'est à ton léa. Deutéronome. Tabla au voni. Chapitre 28. Chopi qui ban, il est 8 et ton. Verset 1 à 13. Benamia se maupeya. Ne et donto yehoa ou maupe bebebe. Eye ne le ebe sensi ou kata me dena ou ekbe la me de assi. Ewa ou jila. Eke ma yehoa ou mau. Acho adoka de anyigbaji duko katano ne edoto yehowa o maupekela ekema ya irasia o katan avajiwo eye wadi nawo wayira ole tume eye wayira ole agbeleme wayira wo tomevi o agbeleme nukuwo wo la opeviwo pakpele wo ni no wo pele wo aleno wo wayira wo kusi pele wo amowose ne eva apela wa irawo eye ne togola wa irawo yehowa o mau axi wo futo si o wa bade wo la lengo wo mo de kaji wa to a ho de wo ke mo adreji wa to a si le wo yehowa ana ya ira na no wa va plenu si o kata ne cho a si wo do polaji eye wa irawo le anyigba si yehowa o mau le na o gelaji ne ele yehowa o mau pesia o mede asi eye ne so ebe mauji la eke ma yehowa ado na nye ebe tuko kokwe abale si o kata na o ene eye anyigbaji tuko kata akpo ebe na yehowa kwen kole unwo eye wa fo eye yehowa ana o kesi nonu ble wo tomevi wo la o pevi o ble wo akple menu kuo na so godeji le anyiwa si wu yehowa kata ndo na fofo wo be ya chwe na wo laji ya yehowa apo ebe no nyo nu pu na wo agu ji ponu beti na jade wa anyigba ji le ejayi eye wa ira wa sinu do wa wo kata no bible anya won to to wa tefu 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 ma eye wa ira wa sinu do wa wo kata souligner ce passage il bénira les activités ou bien les œuvres de tes mains Anebe na tonu na tuko kede o ke wo nto ba tonu gba na o Yehowa acho awo tai eye menya sike o wa do de jida eye ma ba anyi o
Ela bena ese Yehowa wo mau pese si wo medena wo ekpe eye ne le wo mede asi he wo oji. Amen. Blo amen kade. Amen. Yehowa ne jira de ponyaji. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il nous accorde la victoire le Kosida Yama. En cette semaine, Otri Yama. Dans ce mois le Evo Yama. Et dans cette année, Yevo Nyane Vama, le Bivakbeme. Que sa parole s'accomplisse dans notre vie. Yablo, amen. Nous disons amen. Nyemanya Asikeo. Je ne serai pas la queue, et taimanya. Mais plutôt la tête. Je ne serai pas la queue, mais au contraire, je serai la tête. Je ne suis pas là pour être dernier, mais je suis là pour être la tête. Que celui qui croit répète après moi, je ne serai pas la queue, mais la tête. Je ne serai point la queue, mais je serai la tête. Je ne deviendrai pas la queue, mais au contraire, je serai toujours le feu. Proverbe 10, verset 6. Et la Bible dit que la bénédiction jaillira sur la tête des justes. La bénédiction sera sur la tête du juste. Le kobubu, en d'autres termes, celui qui est juste sera la tête. Le juste sera la tête. La bénédiction sera sur la tête du juste. Je déclare que dans cette année et dans ce mois, que la bénédiction vienne sur ta tête. Que la bénédiction vienne sur ta tête. La bénédiction de Dieu vient sur ta tête. La bénédiction de Dieu vient sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse. Que le Créateur du ciel et de la terre te bénisse. Que celui qui a béni Abraham te bénisse. Isaac, que celui qui a béni Isaac te bénisse. Jacob, que celui qui a béni Jacob te bénisse. Que l'Éternel qui a béni Salomon te bénisse. Et que la bénédiction vienne dans ta vie. Vient dans ta famille. Y'a y'a vie aujourd'hui. La bénédiction vient sur tes enfants. Verset 22 dit. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Sans faire suivre cela d'aucun chagrin. C'est ce que l'Éternel dit. La bénédiction de l'Éternel t'enrichira. T'enrichira. Et ne fera suivre cela d'aucun chagrin. Nous sommes dans la nouvelle année, nous sommes déjà au troisième mois. Chaque année, il faudrait que tu ailles à l'enfant. Je déclare dans ta vie que les mois restants, si tu ne sais pas encore ce que tu fais, que l'Éternel te donne des directions, que l'Éternel te donne des directions, que la bénédiction de Dieu te sauve de la punition, te sauve de l'amertume. Que la bénédiction de Dieu te délivre de l'oppression. Que la bénédiction de Dieu te délivre de la malédiction. Que la bénédiction de Dieu te délivre de l'esclavage. Et qu'il t'enrichisse. Amen. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Que l'Éternel t'enrichisse. Que l'Éternel fasse de toi une bénédiction. Que l'Éternel fasse de toi une bénédiction. Que l'Éternel fasse de toi une bénédiction. Le voyama, me grognadiba, Yehovane onasuyaira. Nous sommes nos pères. Cette année, je prophétise que l'Éternel fasse de vous une bénédiction. Tu es béni. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Et si il y a la malédiction dans votre vie, je suis béni dans l'onction de mon Père. Je déclare. Si c'est du côté paternel. Et si c'est du côté paternel. Que l'Éternel le transforme en bénédiction. Et si c'est
c'est du côté maternel. Il y a un autre roi sur Yahira. Nous sommes en bénédiction. Nous sommes en bénédiction. Et si tu as contaminé la malédiction de ton conjoint, que l'Éternel transforme la malédiction en bénédiction. Le prière, dans cette année, que l'Éternel donne de la gloire à la gloire. Que l'Éternel ouvre les portes. Que l'Éternel ouvre les portes pour toi. Nous venons dans Christ. Le Bible dans ma Bible dit. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a des gens qui ne désirent pas. Mais ils désirent voir plutôt ce que tu as transformé. Est-ce que vous êtes en train de dire quels sont les effets de la prédication dans votre vie? Je commence dans ta famille. Je commence dans ta famille. Le voyage. Dans cette année, que le Dieu fasse quelque chose. Et que les membres de la famille. You want to go to the Simana. You want to go to the Simana. You want to go to the Simana. Belle pour moi, ma. Amona de Jobak Benayesu. J'en puis se convertir au christianisme. Le Yasuben Kama. Oya Irana Wonu. Et que ta bénédiction parle. My God. Oya Irana Wonu. Que ta bénédiction parle. Amabaya Irana. La bénédiction de quelqu'un parle. Oya Irana Wonu. Que ta bénédiction parle. Mais pas Oya Irana Wonu. Pour la guérison de Dieu. 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 Les enfants de tes enfants vont se vanter de ton nom. Que ta bénédiction vient sur tes enfants. Même si nous sommes en train de parler, ta bénédiction de Dieu vient sur toi. Pensant, je réponds sur lui. Je réponds sur lui. You wanna know la masaba yaira? Te donne la santé. Mena akoba yaira. Qui te donne la bénédiction? You wanna know nunya ba yaira? Qui te donne la bénédiction de la sagesse? You wanna yira la sole de ba yaoma? Qui te bénisse dans les affaires maritales? Na yira la sole ba? Qui te bénisse au foyer? Ne Bible na manya ba? Ma Bible dit. Ne kai France ha? Ola yira. Quand tu seras béni. Ne kai Ghana ha? Ola yira. Quand tu seras béni. Avis ya vina yi. Partout fera la. Le voyage me ya. Ye wanna yira. Tu seras béni. Quelque chose arrive dans ta vie. Comment espère-la. Ouvre ton cœur. Quoi? Quelque chose est sur le point. Ce qu'on vient de le lire. Aucun de ne sera retenu. C'est à cause de toi que cela s'accomplira. Dieu te bénira et tu seras le. Tu vas prêter aux hommes et tu ne seras pas.
Que le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit te bénisse. Dans ce monde de marche. Ou la march forward, march forward, march forward. Ou la désolé incroyable. Tu vas marcher. Ou la march forward. Tu vas progresser. Le Lucianouma. Ou la incroyable. Tu vas vers la mort. Mais tes gobelets ou la gomme. Consumé dans ta vie. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. À cause du temps, la première des choses, avant d'être la tête, nous devons respecter certains principes. Amen. La première des choses, nous devons tenir la vérité. Amen. Nous devons garder la vérité. Et nous devons renoncer à la désobéissance. Gardons la vérité et renonçons à la désobéissance. Le péché de la désobéissance. Tout péché de désobéissance. Nous devons renoncer à cela. Proverbe 29, versets 3 à 6. Un homme qui aime la sagesse fait réjouir son père. Et si vous désirez être la tête, aimez la vérité. Et la bénédiction de l'Éternel sera sur vous. Celui qui fréquente les prostituées dissipent son bien. Détruit le fait qu'il soit la tête. Et si vous fréquentez les prostituées, si vous faites la fête de femmes, cela va détruire vos biens. Si vous désirez être la tête, vivez dans la vérité, dans la fidélité. Renoncez à la fornication et à l'adultère. Renoncez à certaines compagnies. Afin que vous puissiez vous consacrer à la position de la, d'être la tête. My God, Un roi a fermé son pays avec la justice. C'est la justice qui va affermir le fait que vous soyez la tête. Yes. Amen. Ne fais pas compagnie avec ce type. Celui qui va te flatter pour te conduire vers le mal. Afin que tu sois détruit, il faut les fuir. Donc, amen. Amen. Deux. C'est important d'avoir une vision. Une vision sur votre destinée. Une vision sur votre futur. Quand nous sommes dans l'année, nous venons d'écouler 3 mois. Quelle est votre vision? Et si vous n'avez pas de vision, vous ne pourrez rien faire dans l'année.
Vous ne pourrez rien réaliser dans la nuit. Cela concerne les femmes, les hommes ainsi que les jeunes. Vous devez avoir une vision sur votre destinée. Un plan et un désir particulier. Vous devez avoir un plan et un désir particulier. Personnellement, quel est le plan de votre vie? Quel est votre désir? Et c'est ce qui fera de vous la tête et vous devez courir pour la réalisation de votre but. Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Salomon, blat ton vote, adrek pi aton. Salomon, blat ton vote, adrek pi aton lea. Amen. Quel est votre but? Vous devez recommander cela à Dieu. Et c'est lui qui agira. Quelle est la direction que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse de votre vie? C'est à vous de vivre. Vous devez avoir cela, concevoir cela avant. Vous n'allez pas vivre chaque année sans but, sans objectif. Proverbe 16, verset 3. Amen. Amen. Et tes projets réussiront. Mais quel est ton projet? Tu dois avoir un projet avant de travailler. Afin que Dieu fasse prospérer ton projet. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Le dodo tabla va voir à chaque qui lui est ni. Le dodo tabla va voir à chaque qui lui est ni. Mais tu peux me dire, là-bas, non, vieux, maou me ya gaonaneke, maou yira pour yavon. Et voilà, tu t'es. J'aurais beaucoup aimé que tout le monde soit sobre parce que tu as déjà béni l'année. Il faudrait que nous nous levions. Where there is no vision, s'il y a pas de révélation, the people perish. Le peuple marche. Where there is no vision, mais nous pas d'un caméléon. Nous pas d'un caméléon. S'il y a pas de vision, mais y'a pas de nous pas d'un caméléon. S'il y a pas de vision, on l'a trop. Vous allez périr. Vous n'allez rien réaliser. Toute personne doit avoir une vision sur sa propre vie. Et c'est ce qui fera que vous serez une personne. C'est ce qui fera que vous allez réaliser quelque chose. Et si vous n'avez pas de vision concernant 2021 va passer. Where there is no vision, pas de the people perish. Du collage on a les blues comme. Je ne veux pas que vous périssez. C'est pourquoi vous devez have your own vision. Enfin, have your own vision. Vous devez avoir votre propre vision. Have your own vision for your destiny. Et le have your own vision for your marriage. Nous devons avoir notre vision pour notre have mariage. Your own vision for your children. Mais nous n'avons pas nous pas d'économie. Have your own vision for your future. Mais nous n'avons pas d'économie pour notre chemin. Nous sommes comme écrit nos visions. Je marche toujours avec celui qui a une vision. That's it. C'est comme ça, c'est ainsi. Tu marches avec celui qui a une vision. Tu ne marches pas avec celui qui ne sait pas ce qu'il faut faire aujourd'hui, demain. Dieu ne marche pas avec celui qui ne sait pas comment utiliser ses heures à bon escient. It's a question. Do you have vision for 2021? Nous pas de connexion na paya. Do you have vision? Avez-vous une vision pour l'année 2021? Moi, ma vision cette année pour l'église, si nous puissions tous accomplir, et cette année, si Dieu nous accorde la grâce, j'ai trois visions. Nous venons d'accomplir la première vision.
Au moment de la délivrance, quand les gens se salissent, cela me fait mal. Et la seconde vision est de caroler le temps. Et la troisième vision est de faire la toiture de l'église. Alors, quelle est votre vision particulière? Quelle est votre vision? Nous avons déjà réalisé une vision. Et si nous avons de la vision, nous saurons comment utiliser notre argent. Nous allons continuer à Tom Gabe. Nous continuerons à Tom Gabe. La troisième chose. C'est important d'être fervent dans le travail. Nous devons nous évertuer en parce que c'est cela qui regorge le fait que tu sois la tête. Le fait que tu sois la tête est dans ton travail. Cela ne se limite pas aux confessions utopiques. Le fait d'être la tête. You have to work. Vous avez besoin de travailler. Avant de devenir la tête. Work hard. Ou dans ce CD. Love your work. Elle est dans l'auto. C'est en cela le titre de tête te sera consigné. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 8. Et nous allons lire le verset 10 et 13. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 8. Nous n'avions été une charge. Nous avions travaillé jour et nuit. Vous mangerez le fruit, vous allez jouir des fruits de votre vie. Vous n'allez pas bâtir et quelqu'un va demeurer dans la maison. Alors si vous ne travaillez pas, comment allez-vous vous nourrir et comment allez-vous bâtir votre maison? Ou bien vous n'aspirez pas à construire une maison. Très bientôt, Lomé va se joindre à Kpalime parce que tout le monde construit sa maison. Et ta vision, c'est toujours d'être dans la maison de location. Et vous n'allez que réaliser ce que vous pensez. Vous n'allez que réaliser ce que vous confessez et ce que vous avez dans la tête. Si vous n'avez pas de vision, vous allez rester tel que vous êtes. Et si vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de travail, votre prière est du gâchis. Que Dieu nous illumine afin de nous exciter au travail. Il y a de l'argent au Togo. Que personne ne vous séduise. Il y a l'argent au Togo. Et il y a les étrangers qui viennent s'enrichir au Togo. Levons-nous. Enfant du Togo. Et nous allons arracher notre bénédiction. My God. Le verset.
si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous n'avez pas participé, vous ne devez pas. Eh bien, à quoi la mère? Eh bien, à quoi vous nuire? Si vous voulez. À toi, nuire. Il n'y a pas de nuire. Wack! Et si vous désirez rouler une grosse bagnole, vivre dans une maison somptueuse, vous voulez bien vous vêtir, vous devez travailler. Nya, togoto nous penamie, navio, na batera, fait kokwe. Même si c'est le fait de d'être un porte. Vous devez chercher l'argent. Wonane. Nous devons faire quelque chose. Wonane. Faisons quelque chose. Mais tu n'as de businessmen. Nous devons nous investir dans les affaires. Tout le monde veut être bureaucrate. C'est pourquoi nous avons laissé le marché togolais aux Maliens. Et ils conduisent de grosses bagnoles. Ils ont acheté tous les bons lieux. Parce que nous désirons être des bureaucrates. Il y a de l'argent dans les affaires que dans la fonction publique. Laisse de côté ce écho des Français. Afin de pouvoir faire la différence en Christ. Fais ce que tu dois faire pour t'enrichir. Ne prends pas écart. Ne prends pas écart aux moqueries des gens. Mais demain, c'est toi qui vas les prendre dans ton véhicule. Sois revu au school. Il y a des gens qui ont le master. Je suis avec les jeunes le vendredi. Je serai avec les jeunes le vendredi. Nous devons cesser. Je dois être dans la fonction publique. Commence. Quelque chose. Si c'est la volonté de Dieu. Quand tu vas commencer, quelqu'un va trouver une porte et tu seras embauché dans la fonction publique. My God, kile muna mi. Ela bena mi sebena. Ame ade uzona saka saka le mi adome. Eyo uma wato adeke o. Bon, akubiato. Sont des paresseux, des fainéants. Akubiato. Des fainéants. O le mi adome. Au milieu de vous. Kebo o wa yakado songo. Aha, doye kafine le kamele mo. Manabo chomanada, o chomanava moa. Yenchi o kunaro. Ils s'accrochent aux choses qui ne vont pas les aider à entrer dans leur destinée. Là où nous avons prié, Dieu est en train de t'agir. Il est temps que nous agissons. Il faut que nous éprouvons Dieu en nous mettant au travail. Nous devons éprouver Dieu en nous mettant au travail. Passer toute une journée sans travailler. Sans rien faire. Et viens voir. Va chercher quelque chose à faire. Et ne dis pas que Dieu n'est pas avec l'église Yesu la gamma d'Arome. Et ma Bible dit. La foi sans les œuvres, sans action, est une foi morte. Les filles, êtes-vous avec moi? Je me joins à mon épouse. Au diacre de l'église, à tous ceux qui sont ici, et nous vous exhortons. Toi-même, tu seras à l'aise. Parce que tu manges les fruits de ta main, donc tu vas manger ce que tu désires, et tu seras à l'aise. Êtes-vous en colère contre moi? My God. Bien-aimés, écoutons que l'avancement dans la vie dépend des
des activités et de des finances. Si on dit que la personne prospère, cela dépend de son de ses activités. Vous allez désirer progresser. Mais si vous n'avez pas de l'argent, vous allez être stagnant. Mais si votre activité vous donne de l'argent, vous procure de l'argent, vous allez gravir les échelons et ils finiront par confesser que vous êtes leur tête. Amen. Amen. La quatrième chose sera développée dans Tom Gabe. Je le dis. La quatrième chose. Le point 4, vous devez être fervent et combattre. Le premier combat est de combattre la paresse, le fainéantisme. Le premier combat, il est l'heure. Mais si je m'en vais aujourd'hui, je ne vais rien vendre. Et il s'allonge encore. Il va ronfler. Il se réveille. Tu te fais mal. Si tu te rends plutôt marcher, c'est mieux. Tu auras des courbatures. Et tu seras couvert de honte. Et tu vas finalement pleurer. Ne te confie pas en ennemi. Il faut remporter la bataille sur la paresse et le sommeil. Feu. Éternel, fais-moi grâce. En fait, de mettre en pratique cette prédication. Qu'à partir de ce moment, le fait que je sois à la tête se manifeste. Amen. Amen. Que le ciel vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. Amen.